Hello. Hi. Qui n'a pas le micro? Salut. Salon, Mano Kart, salut. Je crois qu'on t'entend pas sur le live. On entend nos voix mais pas la tienne. Ah ok, d'accord, j'avais coupé le micro mais c'est normal. Bonjour, bonjour les gens du live. Donc ils ont dit bonjour, tout le monde a dit bonjour, voilà. Je serais toi, je recommencerais le recording en fait. Non, mais non. Non, c'est marrant de commencer par un fail. C'est marrant de commencer par un fail, c'est toujours comme ça. Oui. Donc on fait le donjon Wabit, voilà, on est parti. On dit bonjour et on fait le donjon Wabit et on est parti. Bonsoir. C'est parti, c'est... Putain. Ouh. On m'a piqué. En plus, ça s'appelle Choupinette de Feu, franchement. Oh, Choupinette de Feu m'a piqué. Merci, Choupinette de Feu. Tu es méchante, Choupinette de Feu. Choupinette de Feu, n'importe quoi. Choupinette de Feu. Sérieusement. Rain over. Bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux qui sont là, bonjour. Je sais pas si vous connaissez Akinator, mais j'ai réussi à lui faire... Devinez le Millimulu, monstre d'Incarnam. Oui, non, mais Akinator, voilà. Fais-lui deviner Yargle TV. Allez, c'est ce que je suis en train de dire. Pour le moment, il le connaît pas, Yargle TV. Il connaît pas. Le mec, il déteste tous les jours, tu sais. Et oui, je teste tous les jours pour voir si je suis connu sur Akinator. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas, c'est tout. Hein. C'est la vie. Hein. Est-ce qu'on essaye les succès? Succès. Non, on aura pas de level. Du Wawabit. On fait pas les succès du Wawabit? Ça a l'air bien les succès du Wawabit quand même. Je vais remettre en mode joli parce que le donjon est très beau. Donc restons en mode très joli. Je trouve que le donjon est très beau. Oui, le donjon est très beau. Donc il faut en profiter. Profitons-en. J'aime pas du tout cette ambiance de la carotte, ou tout autour de la caoutchouc, du vert, marron. Mais si, c'est bien. C'est bien. Voilà, le seul truc que j'aime bien, c'est la porte qui fait un visage. C'est vrai. C'est le seul truc que j'aime bien dans la salle. Effectivement. Le donjon Wabit, ah ça fait plaisir. Je voudrais pas poser des questions inutiles, mais est-ce que c'est à la fin de ce donjon-là qu'il nous faut la panneau? Non, c'est le donjon d'après. C'est au donjon d'après. Et auquel cas, on n'aurait pas la panneau pour le deuxième donjon, ok? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on peut pas avoir le donjon Scawatt. Ouais, je fais juste le donjon. Tu fais juste le donjon. Et t'as pas le Dofus Scawatt. Et t'es obligé du coup de retaper le donjon pour... Oui. Bah oui. Du coup. Oui. Et c'est très la merde. Très clairement, c'est très la merde. Salon, Mano Kart, remonte Dofus à Crash. Ouais, on a vu ça. Alors, c'est ton Dofus à Crash, c'est pas le grave. Le Dofus à Crash, donc quel dommage. C'est le Dofus qui a Crash. Oh là là, le mec il a double bulle, il a rien compris quoi. Allez. Ça fait pouf pouf. Si on achète une panneau à côté, on peut quand même l'échanger. Bah, si t'achètes une panneau à côté... Je comprends pas ta phrase, Niflix. Faudrait que tu me l'expliques, parce que... Si on a acheté une panneau à côté, on peut quand même l'échanger. Oui. Enfin, je suppose. J'en suis pas sûr, mais je suppose, oui. Enfin, je crois, je ne comprends pas tout. Déloc au groupe. Ah oui, merde, Mano est plus dans le groupe. Vas-y, Mano, rentre. Mano, t'es sur officiel, là? Allez, oui, Mano. On est sur officiel. Mano. Ah, c'est bon, il est rentré. Dans la vallée. Non. Non, putain, non. S'il vous plaît. Non. Ah, il manque un PM. Farel, tu m'abonnes 13 ans pour avoir parchemin Camarena. Non. Genre, si on achète une panneau Wawabit, genre à Bonta, on peut quand même l'échanger contre un Dofus. Oui. Oui. Non, en fait, tu l'échanges pas contre un Dofus. Non, tu l'échanges pas, tu la gardes après. Donc après tu peux la revendre, oui, effectivement. Donc c'est vachement bien.
Non, par contre, même le magnifique. T'es pas level 200. Ah non. En volant le PM qui permet de faire double flèche. On a un nouvel abonnant, c'est Aimstead qui nous a rejoint. Ça fait énormément plaisir, naturellement. Nous sommes toujours en donjon de Wabit. Et qu'est-ce qu'on s'amuse au donjon de Wabit, hein? Qu'est-ce que c'est marrant d'être au donjon de Wabit? Oh là là. Quand même, quel marathon! Quel marathon! Et c'est pas fini! Mais un marathon, on avait prévu comme jusqu'à 23h, au final, on va venir quoi? Allez, 20h max, on a fini. Ouais, je pense. Hein. Bah tant mieux. Hein. Louviana qui nous rejoint, ça nous fait énormément plaisir! Merci Louviana! Plus on est nombreux, plus on est nombreux, et c'est ça qui est bon! C'est ça qui est bon! Go down when you go down, down. Oh, je suis tellement chaud, ça fait tellement plaisir. Non. Tu te calmes. Avec tes bruits bizarres. J'ai envie de manger mon Dofus Kawatt là. Il me booste. Je suis tellement chaud. En fait, je suis trop content. Je pensais pas qu'on l'aurait réussi aussi vite. Je pensais qu'on aurait galéré beaucoup plus. Bon, il y a toujours ce souci de on n'a pas ce qu'il faut pour crafter les panneaux. Mais voilà. C'est un peu la merde. J'ai vraiment pas pensé à ça et c'est un peu la merde. Je dois avouer, c'est un peu la merde. Comment on va faire, les gens? Pour avoir le Dofus, on doit forcément passer par ce donjon. Oui, parce que c'est dans la quête. Faut faire les deux donjons. Ah, faut faire le donjon du château Wawabit avant de faire le terrier du Wawabit. C'est obligatoire, donc c'est ce que nous faisons. Mes amis, si vous n'avez pas pu voir la quête du Dofus Kawatt et que vous voulez voir un petit peu comment ça marche, il suffit de regarder les rediffusions qui seront disponibles petit à petit sur la chaîne. Donc vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Irgle TV pour en savoir un peu plus et réussir vous-même votre Dofus Kawatt. Ça, c'est bien. Et ça, c'est bon à savoir. Et ça, ça fait plaisir à savoir. Oh les dégâts! Bird Jesus. Full rocks. What? C'est Bird Jesus. Bird Jesus. On drop, hein. Mine de rien, on drop. Enfin, c'est un drop. Avant dernière salle, wouhou! Les mobs aggro dans un donjon, quoi. J'ai jamais vu ça. C'est bien, j'aime bien. Ça sera chiant. Même dans le donjon, les mecs sont trop vénères. Ça aura été chiant du début à la fin. Ouais. Et puis là, pour aller à l'autre donjon, la terre du Wababit, ça va être casse-couille. Bah, globalement, il faut réfléchir à déjà comment on voit pour les panneaux. Et ensuite. Moi, perso, je les achète après. Bah, faut voir le prix surtout. Là, elles sont pas chères. Je dois te faire 500 000 max. Tu les revends après, en tous les cas. Donc. 500 000 le tout? Ouais. Bah, je te donne 500 000, tu vas en acheter une panneau. Ouais. Je crois qu'on va faire pire, comme je ça. La, hein. Pire, je te la prends. Hein. Bah, je te la prends, puis en tous les cas, ça se revend donc. Ouais, c'est pas faux. Tu la revendras. Comme ça, moi j'ai pas assez. Par contre, 4000 vues sur ta chaîne, c'est vachement bien. Je savais pas que j'avais 4000 vues sur ma chaîne. Apple, au pire. Ouais, par contre, faudrait que j'achète un peu d'open. Juste des ogrings parce que sinon je vois vraiment c'est de la peine un peu. Non, mais moi attends, t'as dit quoi? Moi je peux te donner un peu d'argent. Non, mais j'ai des ogrings, dis-toi, de toute façon, dans tout le cas, ça sera remboursable. Moi des ogrings de quand j'avais changé de verso. Parce que Mano, t'as fait les quêtes toi ou t'es juste là pour le fun? Je crois pas qu'il ait fait les quêtes, hein, Mano. Je suis sûr que Mano, là au fond de lui, il pense qu'il va avoir le Dofus Kawatt à la fin. Mais Pélo, t'as pas galéré avec nous, tu l'auras pas, hein. Salut, Mano Kart, j'ai commencé. Ah ouais, t'as commencé, donc tu l'auras pas aujourd'hui, malheureusement. Non, non. Le truc, c'est que nous, on a galéré comme des porcs, tu vois. Alors, je suis pas d'accord avec toi, mon cher Lucas, parce que on est sur Hagrid, c'est beaucoup plus cher qu'il n'y paraît. Mais t'as oublié un détail, Lucas, on est sur Hagrid. Hagrid, le serveur où ton épi de blé coûte 1 million de commas, en fait. Voilà. C'est ça. Le métier où c'est plus rentable d'apprendre le métier paysan. Genre, Kamal, comment tu sais que j'entends ça? Comment tu savais que j'écoutais ça, Apple? Kamal? Je l'ai chanté?
Attendez, je regarde les succès quand même liés à ce donjon. Les succès liés à ce donjon. Non. Infaisable numéro 1, infaisable numéro 2. C'est vrai? J'en sais rien, je sais pas regarder. Attends, on va regarder. Alors, Hardy. Les personnages doivent terminer leur tour sur une cellule adjacente à celle d'un adversaire. Oula, c'est chaud. Et ensuite, les deux sont faisables. Ok, c'est bon, c'est mort. Je suis sûr que si on met tous les deux chevaux, on peut faire Blitzkrieg. Non, on va pas jouer avec des chevaliers. Ouais, on s'en fout. On reviendra plus tard. Je reprends un peu de vie. J'ai pas toute ma vie. Regardez des Power Rangers. Viens à côté de nous. Des Power Rangers? Pourquoi on serait. Fais un Diego. Regarde, Power Rangers vert, Power Rangers rouge, Power Rangers bleu, et bleu turquoise. Bleu turquoise. Power Rangers bleu turquoise. La panneau vaut pas plus de 100 000 kamas sur Hellmonster. Qui veut partir sur Hellmonster? Mon dieu. Descendez par contre, on fait des vrais Power Rangers. J'ai un pote, il est sur Silver, apparemment c'est piaf. Trop pas cher, presque chaque item deux fois moins cher que sur le mien. Putain. C'est aberrant. J'ai rien, donc c'est long. Voilà. J'y peux rien. Hein. Ah, Koima souhaite vous faire un échange. Moi, je raquette mes guildes pour avoir un peu de soin. Merci. Ah, un peu de soin, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, un peu de soin, quand même. C'est très plaisant. Allez. Moi, je vous propose un petit screen, ça vous dit? Ah ouais, tiens, vas-y, un petit screen. Histoire de faire beau. Ouais, mais à côté du percepteur, c'est moche. Hein. Au pire, on se met devant le trône, au pire. Ah ouais, devant le trône, vas-y, go. Ce sera bien devant le trône. Ça sera classe. Attends, je vais enlever... Attends, échange avec moi. Ok, mais attends. On ne voit pas sinon. J'enlève mon... Je vais mettre mon chacha, plutôt. Ou mon... Non, mon panda, je vais mettre mon panda. Oh yeah! On est beau comme ça. Bah Kouima, qu'est-ce que tu fais? Sinon, sinon il y en a un qu'on voit pas à cause du pilote éliminé. C'est pas grave, regarde, tu te mets là. Bah ouais. Ah ouais, ok. Ouais, vas-y, mets-toi là. Voilà, nickel. Allez, photo! Tu prends la photo? Ouais, si tu veux. Vas-y, prends la photo. Vous prenez pas l'étendard? Non, il y en aura trop sinon. Le perco, tu sors s'il te plaît? Je crois que le perco, il a juste envie de casser les burnes. Il faut être patient pour prendre la photo. Parce que le perco, il a envie de faire chier le monde. Et c'est là qu'il vient vers nous, tu vois. Le pauvre. Ah non, c'est bon. Allez, vas-y! Allez, faites toutes vos émotes si vous voulez en faire une. Allez, 1, 2, 3. C'est bon. Super. Allez, le Wawabit. Le Wawabit. Le Wawabit. Je vais peut-être remettre mon... Voilà. C'est mieux. Je suis chaud. Ton level le plus haut, mon ami. 176. Ah bah, Kamal l'a dit déjà. Ouais. 176. Je crois. Signope. Ou 178, je sais plus. Un truc dans le genre, en tout cas. J'ai vraiment envie de renommer Apérol en Guépérol. Hein. Et là, Kouima, tu fais comment pour ton chien Jardy? Non, mais Hardy, ça n'a pas été possible. Ok, ça, ça retire des PA, c'est bien. Enfoiré. Oh, le 5 PO qui fait plaisir. Oh, ils ont plein de vie, les salauds. Je savais pas qu'ils avaient autant de points de vie. C'est chaud. Qu'est-ce que c'est sympa, la photo. Ah, c'est la photo. C'est la fameuse photo. Oh là là, magnifique. Magnifique. Sublime. Oh, je suis pieds nus. Sublime, t'es pieds. Mec, oh merde, je suis pieds nus. Les gens. Elles vont penser aux chaussettes de Manu dans Titeuf. Merde, je suis pieds nus. Oh la vache. Oh le swag. Et ouais. À force de tourner en rond en 6 ans, j'ai up que 157. Non mais moi je fais pareil. Je ne fous rien. Donc du coup, bah
Tu devrais faire un objectif level 200 en partant de niveau niveau 1, ça te ferait une série. Oh, et on fait quoi là? Ce serait on chiant. On fait quoi là? Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'Aperol un jour il sera level 200, mais franchement j'en doute. Mais si. J'ai jamais c'est été tellement level... chiant. J'ai jamais été level 200 de ma vie et je crois que ça arrivera jamais. Un jour j'ai dit jamais je monterai jusqu'au niveau 100 sans être plus à ça. Bah voilà. Puis, comme quoi. Derrière, c'est ce qui est pas. Le coffre, m'en veux pas, petit coffre. Merci. Y'a pas de problème, tu peux le taper. Il est là pour ça. Et paf, paf! Oh, ça soigne! Salaud! Tu commences à prendre cher, toi, par contre. Oui. C'est pas de ma faute, il tape derrière les murs. Salaud! Lucas, le but ici, c'est plus de jouer entre potes que de progresser réellement. C'est vrai, la Hirgle TV n'est pas fait pour accomplir des objectifs, mais juste pour s'amuser. Et mine de rien, on accomplit des objectifs aussi. MDR, moi, le zap braque en dessous de la V, de l'arbre. Quoi ? La progression n'est qu'une conséquence de l'amusement sur ce stream. Un genre d'accident de parcours. Mon dieu. C'est exactement ça. C'est la réalité de la Hirgle TV. C'est ça qui est affreux. Cela me plaît aussi. Et bah tant mieux. Et tant mieux. Et merci à tous les gens qui sont présents ici ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner aux réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, la chaîne YouTube, la chaîne Twitch, faire des dons, vous pouvez faire plein de choses et vous pouvez discuter avec nous dans le chat à côté de votre lecteur. N'hésitez pas, ça me fait énormément plaisir. Vous êtes 20 milliards. C'est énorme. Vraiment énorme. On reconnaît les martiens qui sont ici présents sur ce chat et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Bon, qu'est-ce que je fais, moi, du coup? Je vais me bourrer la gueule. Tu fais quoi? Je me bourre la gueule. Je me bourre la gueule. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Je me bourre la gueule. Je vais m'éloigner du Wawabit parce qu'il me fait peur. Non. Si, si, il me fait peur, je t'assure. Ma ligne de vue. Je m'en fiche. C'est Mano qui cache la ligne. Mano qui prend cher. Non, c'est toi qui me cache. Non. Mais nous, me la cache pas, bah mais si. Non. Mais non, tu dis n'importe quoi. Je te cache rien bah, du tout. Ton Rox, il s'est passé quoi? Il a eu quoi ton Rox, mec? Bah, il est niveau 86. Tu l'as laissé hein. En vacances ou quoi? Non, mais il est niveau 86. Nous, on a monté en niveau et pas lui, hein. Non, mais Mano, il Rox, c'est du 400 avant. À l'esprit. Ah, mais t'es peut-être pas boost. Mais si. Ah, mais bah 28%. Oui, Nyanga, bien sûr que tu passes sur YouTube. 4000 views dépassés G2. Comment ça 4000 views? Ah, les gens qui me regardent, ça compte? Moi, je compte jamais. Je m'en fiche, en fait. Je compte que le nombre d'abonnés, en fait. Mais les views, je les regarde pas. C'est important, les views? Ah, merde, j'ai fermé la page. C'est bon. Dofus, c'est de retour. Je sais pas si les views, ça compte. Est-ce que les views, ça compte? J'en sais rien. Alors qu'est-ce que je fais? Bah je vais taper hein. Tiens, prends ça Wawabit. Tiens, prends ça Wawabit. Et tiens, prends ça Wawabit. Pourquoi tu fais ça avant après? Parce que de toute façon ça change rien. Quoi? On a fait des tests et... Ça augmente de quoi? 30 dommages grand max. Bon, par contre, j'entends ce pss dégueulasse là, c'est horrible. Je sais pas c'est qui, mais Ce pchit pchit pchit. Ouais, c'est horrible. Tu l'entends pas, Kouima? Y'a que moi qui l'entends. Ouais, j'entends. Ça me dérange pas non plus. Bon, moi, ça me chie. Oh là là, typique mec qui joue au tort quoi. Ça me fait chier. Oh. Putain, mais ça vient de moi. 453 abonnés, bien sûr que c'est important. Cela veut dire que 4000 personnes est passé sur ton stream, enfin, je crois. Ouais, il y a 4000 personnes qui ont regardé le stream, mais je trouve que les abonnements, c'est mieux. t'imagines 4000 personnes, comme c'est énorme, quoi. Ouais, mais si 4000 personnes s'étaient abonnées, ça aurait été vachement mieux, quand même. Ouais, t'imagines, genre,
il y a 4000 personnes qui t'ont vu au moins une fois dans ta vie. Ouais. Dans une pièce. Ouais. Logique. C'est énorme. Ouais. Bah ouais. Shit, c'est le bug du micro. Bah ouais, mais il me fait chier ce micro, mon cher M-Trux. Il m'emmerde. Et même en no boost, quoi, je suis dégueu, c'est énorme, quoi. J'aime pas. Le coffre, il me gêne. Le coffre, il me gêne. Heureusement que je peux taper R, parce que c'est 18% feu, par contre. Le coffre, il me gêne. Merci à Uniteam de nous rejoindre. Oh, quel bonheur. Je suis happy. Je suis happy. Ça me donne envie de mettre la scène où je me prends des Monster Energy dans la gueule. Après. Après ? D'accord. JJ ! Ouais ! JJ ! Wouhou ! On va parler Wawabit ! Fichtre ! Toi qui l'avais les boules d'avoir perdu. Vous m'avez grandement mawav ! Je vais avoir du mal à m'asseoir pendant quelques temps. C'est inadmissible. Ça ne devait pas se passer comme ça. Si j'appâte les aventuriers sur mon île, c'est pour les dépouiller, pas pour me faire dépouiller moi. Vous vous croyez invincible, pas vrai? Dans ce cas, venez m'affronter dans mon terrier et nous verrons lequel de nous deux est vraiment le plus fort. Sortir. Ok. Bon bah voilà. Vous connaissez une nouvelle attitude, dévorer une cahuète. Oh, ouais. C'est dégueulasse. Mange ma cahuète. C'est dégueulasse. Allez voir Lénald. Alors, allons voir Lénald. Oh, vous êtes dégueulasse. Moi, je regarde pas ça, je me cache. Vous êtes immonde. Vous êtes dégueulasse. Elle est hyper bizarre, cette émote. Et Pharrell, voyons, ta consommation d'énergie. T'avais oublié le chauffage dans ta salle de bain. C'est pas grave, c'était pour me venger. What? Je vois à tes pieds que tu as pas couru. Ouais, on s'en fout. Annoncez votre victoire sur le Wawabit. Loué soit le dieu Lénald. Non seulement tu as survécu à ta rencontre avec le Wawabit, mais en plus tu l'as vaincu en combat. C'est indéniablement le signe qu'il reste de l'espoir pour mon peuple, selon signé sur le pouvoir du Wawabit. Le Wawabit tire son pouvoir du Dofus Kawat, à moins que ce ne soit l'inverse. Dans les deux cas, le lui dérober affaiblirait grandement son pouvoir et son autorité. Ainsi, ses sujets seraient plus enclins à se révolter. Écoutez la suite. Bien que sous le noix, les Wabits peuvent s'avérer extrêmement stupides. Et je pense qu'en te déguisant en Wawabit, tu devrais pouvoir berner le gardien du Dofus et le convaincre de te laisser prendre le trésor dont il a la garde. Le plus simple est donc de vaincre le Wawabit assez souvent pour récupérer de quoi fabriquer une copie de ses atouts, puis de les équiper avant de parler au garde du Dofus Kawat. Si tu souhaites entrer en sa possession, je peux t'indiquer où se trouve l'entrée souterraine du terrier. Accepté. L'œuf ou la Kawat, mesdames et messieurs, il ne nous reste plus que ça à faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va acheter les vêtements? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense, ouais. Apple Bloom, tu veux les crafter? Tu veux les ressources que j'ai drop? Non, mais c'est bon, posons les craft, on revendra le drop de toute façon. Ok, bon, ça marche. Ça marche. Montre-moi les modes, please. J'en prends combien, alors? J'en prends 3? C'est bien pour vous faire plaisir. Bah ouais, 3. Bah ouais, tant qu'à faire. Regardez, parce que là, je mange une kawotte. Ça fait dégueulasse avec mon casque. Ah, oh, c'est avec mon casque, ça fait bizarre. Ah, oh, c'est mal foutu. C'est tellement mal foutu. Oh, c'est mal foutu. Ah, parce que vous avez tapé, mais moi, je suis toujours là-bas. C'est mal foutu. Comment ça, t'es toujours là-bas? Tu sais, moi j'étais au niveau du château, enfin du truc là. Du terrier? Mais. Ouais, mais du coup je vais aller au terrier parce que je suis à côté. Ouais, vas-y, va au terrier et tu nous TP. Qu'est-ce que c'est pratique de pas avoir faire la route. Comme ça on peut discuter ensemble, mes chers viewers. Salut, ça va? Moi ça va bien, merci. Je te remercie. Parce que moi ça va bien. Il y a un truc qui est pas normal. Genre Lennon nous a dit oui, allez, battez-le assez suffisamment pour faire des copies et tout. Et genre le bâton, la description c'est: ce bâton appartenait au tristement célèbre Wawabit. C'est vrai. Étant donné qu'on en a fait une copie, comment ça se fait qu'il lui appartenait? C'est vrai. Bref, vous êtes où? Bah moi j'attends. Je suis encore loin donc. Enfin c'est Apple Bloom qui fait tout là. Merci bien.
Salut Manu, comment tu vas? Achète la panneau, bah ça y est, on l'a acheté. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on est beau. Eh, mais ce serait pas l'heure de nourrir mes familiers? Nourrissons nos familiers. Chacha. En vrai, en Wawabit, je suis pas super bon, je suis au contraire, je suis même plutôt joli. Deuxième chacha. Regarde, ça va plutôt bien la Wawabit. Avec le brûlis et tout. C'est la classe. C'est bien une terrier. Tu t'en sors? Il faut passer par les Wabbit squelettes. Hein. Merci Pokerfou de nous rejoindre. Et ça couche déjà sur le like de milieu. Oui, on voit pas ton stuff avec le chacha. Regardez-moi ce swagatitude avec cette panoplie sur le modèle. Attends, est-ce que c'est bon là? 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h. Ah ouais, non, c'est pas l'heure de nourrir les boîtes. Mec, il s'est fait un fichier Excel et tout, tu sais. C'est l'heure de nourrir les Warki, par contre. C'est l'heure de nourrir le Pandawa. Ouais, 47, plus que 3. Ah merde. Mec, pourquoi tu lui as donné 1% de résistance R à ton Warki? Parce que je me suis gouré, mais j'ai fait les potions pour le lui retirer après. C'est pas grave. Ah bon, on peut faire ça. Ouais, il y a des popos maintenant. Si vous finissez plus tôt, le stream continue quand même. Non. Quand c'est fini, c'est fini. C'est comme ça, c'est triste, mais c'est la vie. Quel swag que j'ai en cérémonial, quand même. Non, t'es pas beau. En fait, ton bouclier va pas du tout. Retire ton bouclier. Bah ouais. Mon bouclier va avec mon chacha. Même sans, regarde. Bah c'est mieux, son bouclier. Enfin, mais trouve... même mes couleurs ne vont pas du tout avec la série. Ouais, c'est clair. Change tes couleurs. Bah non. Mes couleurs sont accordées au Sirocco et au chacha. C'est voulu. C'est nul. Bon, t'as bientôt fini, Apple, t'es long, hein. Ouais, mais attends. Parce que je suis dans le château du Wawabit. Non, mais okay. Le château du Wawabit, c'est pas du tout sur la même route. Ouais, mais je peux te payer, non? Je pense pas. Oh non. Ah si. Si? Oui, vous êtes prêts? C'est bon? Bah go alors. Oh, trop bien. Voilà. Mais comment t'as fait pour nous TP ici? Fais l'échange de la panneau. Ouais. Mais en fait, tu sais, il est juste à côté du château Wa. Donc du coup, je suis retourné un peu en arrière. Et c'est bon. Tu es pas gentil. Ça prend combien de temps de monter un panda? Autant de temps qu'un autre personnage? Je comprends pas la question. Je pense qu'il parlait du panda Wa. Ah, un panda. Un bébé panda Wa. Tu peux le nourrir tous les 5 heures, donc ça va assez vite. Oh putain, je suis mort. Il faut la mettre avant de rentrer, la panneau? Non. Regarde-moi ça. Wobot Magical 53, deuxième classe de au 11e régiment du Wobot de la garde du Wa. Halte là, saluez le Wobot. L'accès à cette partie de l'île est réservé au Wa, hors de ma vue. Ah oui, il faut s'habiller, mesdames et messieurs. Alors, habillons-nous. Je suis le Wawabit. 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 Ah, mais du coup, Mano, il peut pas nous accompagner. Il peut pas, du coup. Bah ouais. Si je peux... Ah, tu peux quand même. Saluer le Wobot. Excusez-moi, mon Wa, je ne vous avais pas reconnu. Votre Majesté souhaite-t-elle accéder à la salle du Dofus? Oui. Je suis vraiment étourdi. Le couloir menant à la salle secrète est impraticable suite à un éboulement. Plusieurs Wobots sont en train de déblayer l'accès avec des followers, mais ils risquent de vous attaquer. Ils sont un peu taoués. Utilisez le trousseau de clé. Voulez-vous vraiment utiliser le trousseau de clé pour rentrer? Oui. Allez. J'adore. Attention, Monsieur le Président, vous pouvez accéder à cette salle? Il y a des Portugais qui travaillent, risquent de vous attaquer. Ils sont un peu bulles, je m'en fous, je le suis, donc je peux rigoler. Farel, tu fais offrir le gros marteau derrière toi pour les 1000 abonnés. Non. Non. Voilà. On est parti, les gens? Attendez, laissez-moi remettre ma panneau. Non. Allez, c'est parti. C'est quoi ça? Black Wobobit. Ah, ils sont trop classe. Les Black Wobobit, les T-Wobot, les Wobot, il y a plein de nouveaux monstres ici. Je vous conseille de vous tenir à distance. Ah ouais?
Oui, le WoBot, c'est pas celui qui OS? Il y en a un qui, non, je crois justement qu'ils OS plus, mais évitez le cac. Mais ils font des dégâts quand même. Mais voilà quoi, 1000 points de vie chacun. Ok. Ah, ils ont donc tous 1000 points de vie, ok. Faudrait essayer de focus, ça ira plus vite. Hein. Essayez vraiment de focus un mob, comme ça, ça ira plus vite. Ouais, ouais, je sais, mais je réfléchis à la façon de taper. Ouais, mais ok. Ça ira vite, je pense. Mais c'est un donjon level 80. Kawot Royal. C'est la Kawot. Merci à Amiga de nous rejoindre. Yeah. 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 Si quelqu'un m'offre un jeu de ma liste de souhaits Steam, je reprends le stream après. Non. Je t'ai même pas en ami Steam. Non plus. Non. Parce que techniquement, pour que Kamel reprenne le stream, il faudrait qu'il ait accès à mon ordinateur. Or, je compte bien utiliser mon ordinateur après le stream. Donc du coup, ça ne fonctionne pas. Utiliser l'ordinateur, ouais. Bah ouais. Je sais pas pourquoi. Oh, t'es dégueulasse, hein. Mais non, je pensais que t'allais aller sur mangemaglace.com. Oui, exactement, c'est ce que j'ai dit. Ah oui, c'est dégueulasse. Les glaces là-bas, elles sont immondes, je veux dire. C'est vrai, elles sont vraiment pas bonnes. D'ailleurs, en parlant de Magnum, il est où? Bah, Magnum, il est là quand il veut, hein. Non, c'est dommage, j'aurais bien aimé voir ça plus vraiment, j'ai pas entendu. Bah oui, je sais qu'il y a mal, enfin. Da-da-da. Et ce sort, je trouve qu'il est vraiment fumé, quoi, Fléchard Solentin. C'est un sort qui a une portée immense, sans ligne de vue, et qui fait quand même pas mal de dégâts pour les 3 PA, quoi. Bon, du 3 PA sans ligne de vue, à l'endroit, je trouve qu'il fait mal, quoi. Moins 10%. Les dégâts. Vas-y, Mano. Voilà. Il est marrant, le T-Wobot, je l'aime bien, il est rigolo. Il me fait penser au jouet dans les parcs. Il est énorme, T-Wobot, trop mignon. C'est trop mignon. Ah, il pousse. Il me fait penser au jouet dans les parcs. Ouais, ouais, ouais. Une voiture, lui. Et allez. Et allez. Première salle accomplie avec succès. La mort, elle est pas cool, par contre. Ouais, la mort, elle est super classe. C'est quoi ça? Boulon ou habit? Allez, deuxième étape. Ça vaut que dalle. Ah, ouais. Il faut tuer les blancs pas, hein. c'est les plus chiants. Faut vraiment tuer les blancs pas. Ils sont vraiment cassés. Pourquoi faut les tuer? Les blancs pas, c'est les plus chiants. Parce que je crois qu'ils donnent des effets de fou et tout à ses alliés, c'est chiant. Par contre, ils sont immondes. Ouais, ils sont très moches. Ils sont très très moches. T'as les Wobot qui a faim, quoi. Oh, ces trucs. C'est énorme. Vraiment le team Wobot, quoi. Mais regardez plutôt, ses yeux qui bougent, regardez quoi. Plutôt au-dessus de la salle. Oh, c'est dégueulasse. Oh putain, faut que j'enlève le mode tactique. Oui, vous. Ah oui, oui, bah ce sont des couilles, quoi. Salon, Manuka, ou non. De n'importe quoi, non. C'est des kawottes, vous êtes dégueulasse. T'appelles ça des kawottes, toi? Ah bah, je suis désolé, c'est les bouts de la kawotte. C'est les bouts de la kawotte, c'est vrai. Ouais, bah, c'est bien ce que je disais, non? C'est bien des bouts de kawottes. Ouais, c'est des bouts de kawottes. Le Wobot qui a faim lance wesh. 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 Moi, je trouve qu'à Dofus, il manque un type de sort. Des sorts lançables en rapport au décor. C'est-à-dire. Et genre un peu comme tu vois, les dopous font plus de dégâts quand ils rencontrent un mur, tu vois. Genre je sais pas, un sort qui lancé sur un mur te permettrait de dash sur le mur ou de. Tu vois, de rebondir sur le mur. Ça apporterait de nouvelles techniques. Ouais, ça doit être difficile à mettre en place, non? Je sais pas. Parce qu'au final, un mur c'est une unité incibable, hein. Putain, mais je peux rien faire. Pff, ça me saoule.
J'ai une unité statique inciblable qui bloque la ligne de vue en fait, c'est comme ça. V'là le Wombat. Wombat il met des coups de boule. L'état affaibli quoi, cet état il veut plus rien dire aujourd'hui. Il met l'état affaibli. Bah ouais. L'état affaibli tu peux plus utiliser de cac non. Oui c'est ça, mais à l'heure actuelle le cac c'est plus rien quoi. Peut t'en passer quoi, c'est pas comme avant le nerf des cac tu vois. C'est fort quand même hein. Il y en a, ils utilisent encore le cac, hein, parce que ça peut faire des gros dégâts. Certes, tu peux plus le span comme avant, mais. Non, le change économe. Oh bah, bravo, hein, bravo, hein, really? Bravo, Kouima. Hein. Sérieux, mais 210%. Oh mon dieu. Putain Mano qu'il est cac. Ouais. Ah voilà enfin des dégâts de Mano. Il est chaud là Mano. Mais c'est tout à l'heure que je comprenais pas pourquoi il faisait pas de dégâts. D'habitude il faisait tout le temps du 400. Ils font pas. Mais il fait déjà du 400 sur du 12% déjà. C'est pour ça que je me disais mais attends mais qu'est-ce qui se passe. Il fait pas beaucoup de dégâts hein, je trouve. Ouais je m'attendais à mieux en fait. Je pensais vraiment que le donjon serait plus difficile que ça. On a vu pire hein. Genre le donjon régnier. Non, on avait hein plus. Ah, le donjon, plus, le donjon araignée. Hein? On en parle? Le donjon des Arakai. Chaque tour, si je peux, je mets mon coup salon, de cac. Ça fait plus mal que les sorts. Non, bah pas voilà. Celui-là. Oui, je suis d'accord avec toi, Shadow. Mais je veux dire, avant le cac, c'était vraiment 80% de ton DPS. Non, mais avant, maintenant, le cac, c'était pété. Voilà. Maintenant, le cac comparé à avant, c'est beaucoup moins utile. Bah, bien sûr, tu vas tout le temps faire des dégâts si tu peux avec, tu vois. Mais sympa, merci Mano. Merci Mano. On voit les potes, hein. Ah, merci. On voit que on c'est voit pas lui qui paye le pain, hein. Ouais, surtout que c'est moi salon, en plus. Mano Kart, DSL. DSL. DSL, bah oui. Pourquoi on a eu un succès Gaud du bois. Bah, c'est parce qu'on a fait les succès, parce qu'on est trop fort. Ouais. Allez, troisième salle, on est bientôt arrivé. Putain, mais... On est chaud. Je suis motivé. Comment ça le tu casses vote. Moi je me mets loin moi. Ouais c'est ça, mets-toi loin. Moi je me bats. Je me mets pas au cac. Avant c'était trop utilisé, je préfère quand même maintenant. Oui avant. Non mais non. Avant les gens n'utilisaient pas de sort, c'était nul. Ils utilisaient Mano, que le cac. Mano, c'est genre la pile devant le monstre que je vais taper. Ouais mais tu sais Mano, il a toujours eu du mal à jouer en groupe. Le pauvre Wobot quoi. Bah, je sais pas, c'est je peux ça, faire tant tape Apple là. Bloom. Tape Apple Bloom, voilà. Mais tiens, ping toi aussi. Pourquoi tu me tapes? Je suis gentil moi. Je me barre. Au revoir. Vas-y. Non, tape Apple Bloom. Mais non, Apple Bloom. Faut taper Apple Bloom. Non. Faut pas gentil, taper si, gentil. Faut taper Apple Bloom. Gentil petit et nu. J'ai l'impression que. Ah, j'ai cru que Mano il voulait pas. Oh putain. Apple il s'est déchaîné quoi. Même Mano il le tue quoi. Pauvre quoi. Allez, tiens pour toi, tiens. Apple il s'en prend plein la gueule quoi. Rien à foutre. Non, laissez-moi tranquille. Ah non, pourquoi t'as mis ton corps, il a Alzheimer, il s'en souviendra pas. J'aurais je l'avais pas vu. Ouais, menteur. Vas-y, et là, une flèche explosive, tu tapes tout, même Mano. Hein. Ah oui. Ah là, facile. Fais juste gaffe à pas tuer mon coffre, quoi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tout le monde lui en veut. Mais non. Tu sais que si je meurs, y'a plus de coffre. C'est clair, abusé. Dans tous les cas, j'aurais pas pu double explos, dans tous les cas. Je te ferai une flèche absorbante pour te soigner, si tu veux. Apple Bloom, il sent une flèche soignante. Depuis quand le Kra, il a des flèches soignantes, tu m'expliques? Depuis que... J'ai un cac qui soigne. T'as fait des études de quoi ou tu fais des études de quoi? Rien du tout et ouais, rien du merci, tout. Ouais, merci Mano. Et maintenant que tu es sous chance, plus personne ne va te taper. C'est ça.
Si quelqu'un pouvait tuer le Wobot, ce serait bien quand même. Lequel? Bah, celui qui a presque plus de vie. Celui-là, là. Ah. Je sais pas de quoi tu parles. Mais non, j'allais te soigner. Bah ouais, du coup, on peut pas te soigner. M'en fous, je me casque. C'est con. J'ai pas confiance en vous. Tu veux pas pousser le petit Wobot, là? Il me gêne. Ah, merci. Ou le tuer. Ouais, c'est moi qui finis le combat. Wouhou! Nice. Quand il aura le level pour l'archétype, il les aura, ses flèches soignantes. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Je remarque sur le petit tableau, quand même, la petite partie de Morpion. Personne n'a gagné. Personne n'a gagné. Excellent, putain. Non, mais elle est vachement classe. Attendez, juste une parenthèse, est-ce que vous voyez les petits Tiwabit qui ont faim sur les rouleaux? Oui, bah oui. Oui, qui courent. Il veut. Ouais, il y a deux, oh, y a deux blancs pas là, ça va être chaud. Focuser les blancs pas. Tu focuses le blanc pas. Moi, je suis à ma 9e année de droit et non, je rigole, je suis en 4e et ils m'ont dit d'aller en CAP cuisine. Bah, c'est bien la cuisine. C'est cool la cuisine. C'est cool la cuisine, franchement. Si je savais cuisiner, je serais content. Pour plaire aux dames, savoir faire à manger, c'est un putain de bon point. Hein. Ouais, bah, j'ai plus qu'à devenir Mais, homo. Tu m'écoutes quand je parle, Kouima, ou t'en as rien à branler en fait de ce que je dis? Mais mec, dans tous les cas, j'aurais pas pu les focus. On va se faire exploser la gueule. Mais non. En plus, ça soin et tout, c'est de la vraie merde, ça. Déclenchez vos manches. Bon, ok, il a juste un buff, c'est tout. Ouais, à chaque fois qu'on le tape, il gagne un PA. C'est bien, non? C'est bidon. Oui, c'est bidon. C'est tellement bidon. Grave, pour pécho, c'est trop bien, nous dit Amtrux. Voilà. Voilà. Non, on se fout pas de toi. Les dames adorent qu'on leur fasse à manger. C'est la réalité. C'est la réalité vraie du monde véritable. Ouais. On va arrêter. Arrêtons. Oh, le petit debuff. Allez. Oh, le debuff là. Oh, merci les gars, vous êtes gentils. Faut bien que ça serve à Nénu. Bah oui, quand même. Un petit peu. Si ça serve à rien. Je suis quand même bien mal. Hein. Quelques dégâts. L'animation de mort des Powobot, des Powobit, elle est pas mal aussi. Des quoi? L'animation de mort des Powobit est pas mal aussi. Mais vous gérez? Mais oui, on va gérer, pas de soucis. Bien sûr qu'on va gérer. Et pourquoi ta caméra sort de sortie? C'est parce que je joue sur plusieurs plages en fait. J'ai ma page sobre, ma page bourrée en mode Zaito et ma page bourrée en mode Piccolo. Voilà. Pour ça. Je suis donc pas le seul à me servir de deux pages. Non. T'es pas le sort. En fait, genre mes deux pages sont exactement les mêmes. Genre. Alors que. Donc, genre la deuxième ligne, c'est la même. C'est quoi là? Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le coffre il a tapé et puis vous, il est reparti. Ah oui, c'est ventre rebondi. Regarde leur. Ouais. Ouais, leur dit, tu vois. Ventre rebondi. Quand tu le tapes au cac, tu repars en arrière. Qu'est-ce que tu disais, Kouima? Tu te sers... désolé, Mano. Tu te sers de plusieurs pages, c'est ça? Ouais. Didi! Ouais, du coup, en fait, genre, mes deux pages étaient identiques, sauf la première ligne, en fait. La première ligne, c'est le feu en premier et l'air en second, et l'autre page, c'est la même, mais à l'inverse. Oups, j'ai pas pu finir le combat. Mais j'ai plus MBI. De pas en plus, bah t'avais qu'à pas nous taper, hein, tant pis pour toi. Non mais je peux te soigner moi, Mano, je peux te soigner. Attends, pas mais de... pas ça, non mais... Non. J'aurais fait une corrupe boîte de Pandore.
Corrup, elle soigne encore? Non, elle soigne plus. Si, si, elle soigne. Si, si, elle soigne. Nous y c'est, sommes! C'est bulle, oh le Dofus Kawat! Alléluia! Ah par contre, bougez pas. Hein. Ouais, bougez pas. Hein. Reprenons notre vie tranquillement. Hein. Oh, vous avez vu, c'est l'image du Dofus Kawat d'un point 29? Ouais. Hein? Ah oui, tiens, j'ai jamais fait gaffe. C'est la classe, hein. Bon, c'est que c'est voulu? Oui. Bah oui, bien sûr. Mais oui, tous les jours. Bien sûr. Bien sûr. C'est marrant qu'il y ait le signe du yin et du yang dedans. Alors que c'est juste un putain de kawotte. C'est clair. Est-ce que vous êtes prêts, mes amis? Je suis né prêt. Mano, es-tu prêt? Du coup, en fait, le boss, c'est qui? Le Black Wolf? Du pain. Il veut du pain, Mano. Non. Du pain, du pain. Non, c'est le Wawobot. Ah, j'ai pas vu le Wawobot. Bon, faites attention parce qu'il est un peu perturbant. Hein. Oui, il fait des rebonds un peu partout. Il fait des rebonds un peu partout et vous risquez de mourir très vite. Donc faites très très attention. Je m'en fous, je vais me mettre à distance. Ok. Oh. Ouais. Allez. On est chaud, ah, mesdames et messieurs, la dernière, dernière phase. Nous allons obtenir le Dofus Kawat. Merci d'avoir participé. Dans le prochain épisode. Quoi? Non. Un petit dernier épisode. Non, pas de dernier épisode. Allez. Mais non, c'est la fin, je veux pas faire un épisode de 35 minutes, ça sert à rien. Et oui. Oh, petit troll. Non, pas de troll. Putain, mais Mano, il le cac. Ouais, Mano, tu devrais pas. Hein. Si on veut gagner, vaut mieux que tu restes en vie, Mano. On a besoin de toi, Mano. Ouais, vraiment. Je suis quelqu'un d'important dans la team. Vaut mieux garder un minimum, maximum de. Un minimum de chance. Oh, what? Oh, je suis dans la merde. Oh, je suis dans la merde. Il est pas dans l'état lourd, non? Il est pas ouais, dans l'état lourd. Je vais le virer alors. Ce que tu peux faire, c'est le virer. On s'occupe des autres et moi, je pourrais peut-être et le ral PM. Tu crois que si je le mets là, il sera poussé et du coup, il se prendra des dégâts dans le mur? Techniquement oui. Je vais essayer. C'est quoi son invocation en fait, le Wobo tamponneur? Oh, la cible ne peut être portée, j'ai perdu un PA. C'est vraiment une honte ce truc, sérieux. Mais pourquoi? Bah, il est pas dans l'état lourd. Bah ouais, mais il peut pas être porté, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est de l'arnaque hein. Ah, peut-être évite de le taper alors je vais le... Oui. Ah putain, je peux pas courir tour 1. Ouah, mais c'est pas grave, tu le corrupes autour d'eux. C'est mieux quand même. C'est chiant. Vaut mieux tuer tous les petits d'abord, histoire d'être bien tranquille. Marathon Kawat, on va poulper ton loot 9h-23h, je veux jusque 23h. Non, j'avais dit que le maximum, ce serait 23h. Je pensais pas qu'on le finirait aussi tôt, c'est tout. En fait, la morale de l'histoire, c'est qu'on aurait pu se lever beaucoup plus tard. Oh, mais on savait pas. Quand même, c'est marrant. C'était marrant de se lever tôt, franchement. C'était marrant de se lever tôt. Déjà, toi, tu te calmes. Bah, c'est pas grave. De toute façon, ça sert à rien, il peut nous attirer. Mais il fait pas mal, le boss. Oh, il peut faire très très mal si tu rebondis trop souvent sur ces trucs. Ça peut être très dangereux. Ces petits trucs, ils appliquent un autre ou quoi? Ils te font rebondir et ils te font des dégâts, je crois, si je me rappelle bien. Ouais, voilà. Voilà. Tu vois les dégâts que c'est pris Mano, là. Voilà, donc c'est très très chaud, faut faire très très attention. Ça va être chaud, hein. Oh, moi je dis ça va être chaud. Il a pas beaucoup de vie, hein, franchement. Non, il a pas beaucoup What de vie. Tu tapes de là? What? Bah quoi? Bah oui. Normal. T'as autant de range que moi, mec. Quoi? Bah ouais. C'est quoi le problème? Je vois pas de quoi tu parles. C'est que à la base, c'est censé être le crack qui tape d'aussi loin. Et pas un panda. Non, le panda a toujours été réputé pour avoir une énorme portée. 100 000 km à vente de un casque, allez, boum.
De quoi? Ouais, j'ai 400 000 boules qui viennent de tomber là. Tranquille. Ok, super, il reste plus que le Tiwabot et. Mano, approche-toi, je te tape. Je te heal prochain tour. Ouais, vaut mieux parce que là. C'est bien, on s'est caché du Wawobot. Waouh, la petite corrupte qui passe bien là, ça c'est cool. Moi je l'aurais corrupte le tour d'après. Non, mais c'est pas grave, on va finir le Tiwabot. Bah si, parce que Mano aura les dégâts x2 là, du coup. Ouais. T'en fais pas, je ferai en sorte qu'il bouge pas. Hein. Ouais, il va lui retirer okay, le PM et tout. Attends, là je me suis mis en mode full retrait PM. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, franchement. Allez, on régène notre petit Mano. J'ai 30 de retrait PM, s'il te plaît. Tranquillement, mais sûrement. Par contre, j'aimerais bien que quelqu'un s'occupe de ce petit robot de merde. De rien, Mano. Merde. Je peux pas. Je peux rien faire. Navré. Franchement, Mano, si tu. Ouais, tu peux rester là, hein, il veut pas t'attirer, donc tu peux rester là, clairement. Je peux faire quelques dégâts. Mais il est corrupt, il est invulnérable. Tu peux pas lui faire de dégâts. Pour l'instant, ça va. Hein. Non, on va s'en sortir. Attends, t'as pas un PM? Ouais, mais non, attends. Non, trop petit, mettre là. T'aurais dû te mettre là. Ouais. Parce que là il a la PO pour toi, et si t'as de la chance il te grappe pas toi, si t'as pas de chance il te grappe à toi. Je pense qu'il va essayer de me grappe moi quand même. Ok, plus de Wobot, il nous reste plus que le Wawobot mesdames et messieurs. Alors toi tu te calmes, toi tu te calmes. Tu te calmes Noli. Tu te calmes. Mais tiens toi je te donne ça. Oula, qu'est-ce qu'il a fait là? C'est quoi ça? Depuis quand il a un bouclier FK? C'est quoi cette blague? Lol, je vais le debuff. Tu veux que je l'envoie balader? Non, justement, parce que moi ma souillure plus la pelle fanto de Apple Bloom et on lui retire son bouclier. Donc on va en profiter un maximum. Voilà, vaut mieux le. Lui en mettre plein la gueule. Bah, je les râle en fait. J'ai essayé de le râle. J'ai pas eu de chance, mais. Tu mettrais pas un Wasta? Je peux mettre un Wasta, mais. Genre là. Il va le pousser, donc. Bah justement, c'est lui qui va pousser, pas nous. Ok. Wasta. On est 20 milliards et ça me fait énormément plaisir pour ce marathon du Dofus Kawatt. Merci d'avoir été présent, en tout cas ça me fait énormément plaisir. Non, je vais pas dire ça tout de suite, d'abord on va se concentrer sur le combat. Un petit colis. Question pour les posters, Irk, c'est toujours pas envoyé. Non, Rinter, ce n'est toujours pas envoyé. Non, mais ils sont là. Ils sont prêts à l'envoi. Ils sont dédicacés et tout. Et ils vont bientôt l'être, promis. Faut juste que je vois avec la poste comment les envoyer sans les abîmer. C'est bien, en plus il est mastaclé avec le. Ouais. Ça c'est une bonne chose. Il peut pas le pousser. Il peut pas le pousser. Mais s'il lui met des gros dégâts dans le mur. Non, il le débuff en plus. Au revoir. Et ça a pas marché. Oh mais non, j'aime pas les états qui se débuffent pas quoi, c'est nul. De quoi lesquels? Bah sa carapace, elle sait pas débuff. Si, c'est juste qu'elle durait 5 tours. Quoi? Mais non, elle durait 2 tours. Non, elle durait 2 tours. Non, elle durait 2 tours, hein, ouais. On est d'accord. Regarde, là, il fait plus rien, regarde, il a plus de PM. Il fait quoi? Allez. Tu fais quoi sans PM? On tire lui des PM. Il vous en tire des PM. Il a juste la flemme d'aller à la poste. Non, pas du tout, c'est pas ça. Enfin, t'as juste à te mettre à 2 PM de lui et c'est bon quoi. Ouais,
C'est ça. Et voilà. C'est déjà bientôt fini. Eh oui! Eh oui, je vais pouvoir aller dormir. Oh, quand même. Oh mon dieu. Quel bonheur. Quel bonheur. Non, c'est chouette. Franchement, c'est chouette. C'était un bon marathon. Franchement, c'était un bon marathon pour notre premier marathon. C'était un bon marathon. Ouais. On n'a rien lâché en plus. On s'est battu jusqu'au bout. Malgré les lags. Malgré les lags. Malgré les meubles qui tombent. Malgré le manque de gens. Oh non, il m'attaque. Ah ouais, mais pourquoi tu t'es mis. Pourquoi t'es mis un PM aussi? C'est une honte. C'est une honte, moi je dis, c'est une honte. Ouais, bah défoncez-le, hein. Genre le mec, j'arrive pas à lui râler, quoi. Il a que 10 si je le râle pas, quoi. On est bon. On est bon là, on est bon, les gens, on est bon. Et ben j'ai hein. J'ai pas vendu plus qu'un what. Oh là là, mon dieu. Oui. On y est, on a réussi. Bon, c'est pas à 100% réussi parce qu'on aurait dû crafter les panneaux, mais bon. Ouais, déjà de base. Mais bon. Là, je peux rien faire, c'est génial. Je peux rien faire, j'ai pas de ligne de vue. Eh ouais. Oula. Oula, là t'es en mauvaise posture parce que si les Wobo Tarponeurs ils s'activent, y'a Mano qui va faire dong 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 dong. Voilà. What? Comme, bah. C'est ce que vient de faire. Je vous ai dit, Kouima il a fait un. Mais non, a... c'est. Non, je l'ai fait au Wobo Ball justement. Ouais, oui. Mais. T'as tapé le Wobo Tamponneur et du coup ça t'a. Non, mais regarde les dégâts, ça fait Wobo Bot, ça fait du 800. Ouais. C'est le Wobobot qui a pris cher comme ça. Ouais. Je suis où moi? Ah ouais, je suis là-bas. T'es là-bas fallu. Du coup. Ah ouais. Et comment t'as fait? T'as activé le Wobo tamponneur? Ouais, mais regarde, moins 800. Wobobot, moins 800. Ça a rien fait. Non, en fait je l'ai fait des j'ai fait des dopous contre le Wobo tamponneur. Ah. Ouais, t'avais une flèche enflammée en fait. Ouais, je fais recul, mais ouais, sinon... Allez, c'est qui finit? C'est Mano? Bah oui. Oh, GG! Putain, ah non, mais... La vie yes et Shadow, il a raison. Quoi? Maintenant qu'on a fini tôt, faut qu'on aille drop les panneaux. Non, non. attendez, il faut mettre la panneau, non? Oui, mettez la panneau, hein, cas où. Ne parlez pas tout de suite au mec, mettez la panneau pour être sûr. On sait jamais. On sait jamais. Mettez la panneau. C'est bon, j'ai mis toute la panneau là. Oui. Sûr? Vous êtes prêts? Vérifie. Attention, moi, nous parlons au gardien du Dofus. Bonjour le mon roi. Si je puis me permettre, votre majesté a encore grandi depuis votre dernière visite. Et votre nouvelle taille ne fait que davantage rayonner votre grandeur. Je me suis permis de mettre le Dofus à l'abri pendant que vous vous battiez, au cas où un de ces étrangers essayait de s'en emparer. Conformément à nos lois, vous pouvez emporter le Dofus Kawot. Tendre les mains pour prendre le Dofus Kawot. Mais, vous n'êtes pas le roi! Alerte! Un sombre idiot veut voler le Dofus! S'emparer du Dofus et s'enfuir! Oui! 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 Alléluia! Nous avons le Dofus Kawot! Yeah! Yeah! Mesdames et messieurs, le fameux Dofus est en notre possession. Nous pouvons le mettre sur les trophées et donc nous gagnons plus 60 de sagesse. On va pouvoir aller XP.
On va pouvoir aller XP. Enfin, on va pouvoir aller XP. On est bon, on est chaud, on est yeah. Merci à tous les gens qui nous ont suivis durant ce live marathon de 9h à mine de rien 18h. C'était pas mal quand même, c'était beau, c'était fort. On va se mettre un côte à côte, regardez, on va se la péter en mode panoplie du Wabbit. Oh là là, quelle classe, quelle classe, quelle classe. Oh mon dieu. Waouh. C'était chaud quand même. Merci à tous les gens qui ont été présents durant ce live. Merci à tous. On applaudit. Bravo. C'était magnifique. C'était beau. Voilà. Oh là là, on est fiers. On est fiers. Kouima qui mange une kawotte. Merci à toi, Kouima. Merci à toi, Apple Bloom, d'avoir été présent. Merci à toi, Mano, d'avoir été présent. Merci aussi à tous les gens qui ont été présents durant ce live. Kamal Black, Nyanga, Shadow, Heimtrux et tous les gens, Rinter Brumer, il y avait Biscuit, il y avait Johan, il y avait Lucas, il y avait tellement de gens, c'était impressionnant. Aussi. On va faire la liste, c'était il y avait Archivoche, Acetox, Blair, Esminix, Heimtrux, il y avait Necron, il y avait Lulu, il y avait Papayou, il y avait Pokerfou, il y avait THM Colère, il y avait tous ces gens qui étaient là présents pour nous. Ça fait énormément, énormément, énormément plaisir. Nous avons fait et vaincu et réussi naturellement notre Dofus Kawot. Nous avons vaincu les Wabbit squelettes. Nous avons vaincu les Wabbit tout court. Nous avons vaincu tout ce qui allait. Je vais rendre naturellement la panoplie à Kouima parce que il pourrait la revendre et se faire un max de blé. Donc donnons-lui naturellement. Refais-toi un max de blé, cher ami. Il faut, c'est important. Nous, on va mettre ce magnifique Dofus et on va l'enregistrer dans notre équipement rapide, naturellement. Merci à tous d'avoir participé. Un petit mot, Kouima, pour cette fin de live. Kawot. Kawot, très bien, oui, forcément. Tu peux dire une phrase aussi, hein, si tu veux. Alors, qu'est-ce que t'en as passé? Est-ce que t'as passé un bon moment parmi nous? Tes ressentis? Ce que t'as vécu? Alors, en deux mots, ascenseur émotionnel. Ascenseur émotionnel? À ce point? Ah oui, du genre, je peux passer de la joie à la rage, c'est instantanément, hein, pour faire un dessin. Clairement. C'est vrai que ça a été très dur pour nous, hein, qui peut m'aider à faire mon DM de maths, c'est sur les puissances, non Nyanga, je pense que nous on va tous aller se coucher. Apple Bloom, quelques phrases à propos de cette aventure que tu as vécue avec nous. Plus jamais l'île des Wabbit. Plus jamais. Clairement c'était très dur, c'est vrai que ça a été très intense, mais on s'est bien amusé, le background est très sympa en tout cas, c'était très très drôle. Peut-être que Mano a une phrase mumblique à nous dire. Chut, attendez. Salon, Mano Kart, non. Non, très bien, merci, merci, non. Merci Mano, et merci tous les gens qui ont participé. On va se laisser ici avec naturellement un petit poulpopol parce qu'il faut bien quand même, c'est le poulpopol. C'est le congolexicomatisation. La congolexicomatisation, exactement, exactement. Donc forcément, on se laisse avec le fameux poulpopol. Poulpopol, hein, naturellement. Poulpopol, il est là, il est beau. Mesdames et messieurs, le Poulpopol, merci à tous d'avoir été présents. Je suis en train de perdre ma voix, c'est tout à fait normal. Je vous remercie en tout cas. N'hésitez pas à faire tourner l'information La Hirgle TV disponible pour vous tous les lundis soirs, les mercredis soirs et les vendredis soirs. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à suivre les réseaux sociaux. Bref, à faire tout ça. Merci encore de nous avoir suivis. Le Dofus Emerald après, non, même pas en rêve. Peut-être dans 6 mois, c'est possible. En tout cas, merci à vous. Je vous fais des bisous. Je vous dis peut-être pas à lundi parce que je vais faire un gros dodo. Mais en tout cas, certainement à mercredi soir. Merci à tous. Salut. GG pour le petit live bien sympa. Merci Archivos, ça fait bien plaisir. Merci à tous.
des bisous, à la prochaine. Bye bye. Salut. Au revoir. Bye. À bientôt. Más que un cefalópodo, eres cefalópodo. Te volviste la atracción del mundo al que te llevo. Te alineaste en mi cabeza y en mi corazón metiste un gol, un gol. Enséñame el futuro, Paul. Dame clima, oh, dame pita. Clima. Un ojo me anima, Paul. J'ai besoin de café. Ouais. Ouais. Là si ma mère me sort, soit mange des KO trapules. Vraiment quoi. Comment je fais? Non. Non. Plus jamais. On mange du lapin à la carotte. Non. Ça te dit. Un civet de lapin. Un civet de lapin à la carotte. Oh. Et là je vais m'effondrer, t'as fait. Non. Oh là 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 là. Elle va me regarder dépité en me disant qu'est-ce que tu as. Plus jamais de la fin. Convence a mi novia de hacer cosas perversas. Y si un día tú te vas, no nos vayas a olvidar. Déjanos tus enseñanzas, con tus pitas escribe tus andanzas y mueve tu panza. A Paul le gusta la polka, a Paul le gusta Polanca y platicar en la playa. Même pas en rêve. Voilà, Tchado il est triste. Il comptait venir le soir. Tant pis pour lui. Parce que le marathon c'est fini. Parce que j'ai le Dofus Kawotte. J'en ai rien à foutre. Allez, bye bye. Salut à tous.